Hello, c'est Albéna de Mar de la Ménopause. La question du jour, c'est quels sont les symptômes de la ménopause? Je sais, toi qui connais bien la ménopause, tu vas me dire, mais quelle question, c'est quand même, bon, on les connaît quand même les symptômes. Eh bien, détrompe-toi, je le pensais aussi. Mais comme je vois cette question revenir et revenir et revenir dans le groupe privé Mar de la Ménopause sur Facebook, je me dis, apparemment, il faut l'expliquer encore et encore. Et en fait, je me suis souvenu que il y a 10 ans, quand j'avais 45 ans, là je viens d'avoir 55, il y a une semaine, pile poil. Donc, quand j'avais 45 ans, j'avais vaguement entendu parler de la ménopause et je ne connaissais absolument pas qu'est-ce qui va se passer avec moi à la ménopause. Je ne connaissais pas, je savais que bon, bah, effectivement, on n'aura plus de règles, d'accord, mais tout le reste, je n'en savais strictement rien. À vrai dire, je ne m'intéressais pas tellement non plus, jusqu'au moment où, à 47 ans, j'avais commencé à avoir mes premiers symptômes. Toute une panoplie de symptômes dont beaucoup, je ne savais pas qu'il était lié à la ménopause. Et c'est encore la sous-question de la grande question, quels sont les symptômes, que je vois aussi dans le groupe privé Mar de la Ménopause sur Facebook, où les femmes disent « Ah oui, effectivement, je ne savais pas que ça, c'est dû à la ménopause, puisque d'autres femmes parlent de la même chose. » Et on se rend compte qu'il y a beaucoup qui parlent de la même chose. Et puis les femmes se disent « Ah oui, mais mince alors, je ne savais pas, je croyais que c'était moi, je croyais que ceci, cela. » Et en fait, oui, c'est dû à la ménopause. Parce que la ménopause, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que, bon, vous savez, 12 mois consécutifs sans avoir des règles, et puis surtout un changement vraiment radical de notre système hormonal et le système endocrinien qui produit les hormones. C'est mon sujet préféré, j'en parle dans plusieurs vidéos, si ça vous intéresse, regardez un petit peu plus. Bref, ce que je vais vous dire que nous avons des dizaines et des dizaines d'hormones, les estrogènes bien sûr, et la progestérone, les hormones sexuelles de la femme qui effectivement chutent libres après un certain âge. L'âge moyen c'est 51 ans, mais ça peut commencer très tôt. Même dans le groupe, on a eu récemment une membre qui a 28 ans, vous imaginez 28 ans, ménopause très précoce, ça peut arriver. Il peut y avoir des ménopauses tardives, il y a des femmes aussi qui ont 55, 5, 6, 7 ans et qui ont toujours leurs règles, ça veut dire que techniquement elles ne sont pas encore à la ménopause, mais tout de même l'âge moyen c'est 51. Donc toutes ces questions que je vois régulièrement m'ont fait réfléchir. Je me dis bon, je vais faire une vidéo là-dessus. Quels sont donc les symptômes de la ménopause? Ça peut commencer très différemment d'une femme à l'autre. J'en ai déjà parlé de mes premiers symptômes à moi, en les expliquant un peu plus en détail. Maintenant, je vais les regrouper en deux grands groupes. D'abord, les symptômes qui sont liés à tout ce qui est psychique et émotionnel, et puis tout ce qui est un peu le côté physique. D'abord, les symptômes qui sont liés au psychique, à l'émotionnel. On peut commencer à pleurer sans aucune raison raisonnable, valable, juste comme ça, on devient très émotif, très irritable. Quelque chose qui ne nous agaçait pas hier, bah, subitement, ça commence à nous énerver, à nous agacer. Donc on peut perdre beaucoup d'amis, beaucoup de proches, parce qu'on devient vraiment, notre taux de tolérance et de supportabilité des autres est très bas. Donc attention, il faut faire gaffe quand même, pour ne pas froisser trop les gens autour de nous. Donc, on pleure sans raison, on est très irritable, très énervé, on supporte difficilement les choses. On peut avoir des angoisses, des crises de panique, on peut aller jusqu'à une dépression. Et mon Dieu, avec l'automne, là nous sommes là, le week-end qui a suivi tout de suite la Toussaint, je suis dans la Drôme et vous voyez autour c'est très beau, mais tout de même, dans une heure, il va faire noir. Donc ça vraiment, ça ne nous facilite pas la vie. Dépression. Ensuite, on peut, toutes ces petites choses qui font qu'on se sent vraiment pas bien dans notre peau, on n'est vraiment pas très heureuse. Deuxième grande catégorie, c'est tout ce qui touche, vous savez, le physique. On peut avoir beaucoup de ballonnements, c'était notamment mon cas. Le système digestif, suite à la chute des hormones, enfin toutes les hormones
sont en baisse. Je vous ai dit donc les estrogènes, la progestérone, mais pas uniquement, les hormones thyroïdiennes, l'insuline, la dopamine, la sérotonine, etc. Toutes ces hormones qu'on connaît très 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 mal sont en chute libre, sauf le cortisol qui augmente, lui. Elle, cette hormone augmente, c'est le cortisol, c'est l'hormone du stress, d'où le fait qu'on peut se sentir encore plus stressé et avoir une pression davantage. Donc, les physiques, c'est le ballonnement, le système digestif qui aussi, suite à ce chamboulement des hormones, qui se répercute dans tous les tissus, dans tous les organes, dans tous les systèmes du corps en fait, y compris le système digestif, vous pouvez très bien ne plus digérer de la même manière, manière qui était très bien avant, tout ce que vous mangez. Par exemple, tout ce qui est facilement fermentable, là maintenant, va fermenter, va vous créer des ballonnements, va vous créer des gaz, des flatulences, on va faire des érectations, c'est-à-dire de l'air qui sort de la bouche, tandis qu'avant, on mangeait exactement la même chose et on n'avait pas cet effet-là. Mais comme le système hormonal change, ça vraiment, il faut le comprendre, ça se répercute dans plein changements. Donc physiquement, ballonnement, on peut prendre du poids, on a ces fameuses bouffées de chaleur, c'est vraiment le signe par excellence, le symptôme numéro un que tout le monde cite. Après, la sécheresse qui peut être absolument partout, les cheveux, moi personnellement j'ai des cheveux qui sont absolument secs quand je les touche, mais c'est sec de chez sec. La peau qui devient très sèche, donc il va falloir la soigner davantage. Le vagin qui est plus sec, un vagin sec, donc toutes ces choses-là, et j'en passe, parce qu'il y a après le système cardiovasculaire qui ne va pas bien, le système, on a beaucoup de douleurs de toutes sortes, douleurs musculaires, douleurs articulaires, partout. Donc souvent des femmes, je vois, ils me disent dans le groupe et puis ailleurs, ils disent « j'ai mal partout ». Et j'ai fait moi-même une vidéo là-dessus, « j'ai mal partout ». Et c'est vrai qu'on peut avoir des périodes où on se réveille le matin, on a mal partout. Et on commence à râler, on commence à se plaindre, on commence à pas être contente, on sent même la ménopause comme une sorte d'injustice. Et c'est vrai, la ménopause ne devrait pas exister, n'est-ce pas mesdames? C'est pas, je ne serai pas la seule qui va le dire. Qu'est-ce qu'on a à faire avec cette ménopause? On était très bien sans. Et bien là, la nature a décidé que c'est ainsi. Donc la physiologie des femmes est ainsi. Donc, tout ceci pour vous dire que on a beaucoup de symptômes. C'est bien de prendre un peu l'habitude de s'auto-observer, mais vous pouvez vous faire un tout petit cahier. Personnellement, je prends beaucoup de notes parce que j'ai une tête comme un passoir, j'oublie beaucoup et ça m'aide après à me retrouver dans des différentes périodes. Qu'est-ce que j'ai ressenti, comment ça a évolué, qu'est-ce que ça a fait. C'est pas plus mal de poser noir sur blanc vos ressentis, comment vous êtes, etc. Ça permet, il y a plusieurs effets en fait, du fait quand on va écrire, ça permet de se débarrasser aussi, ça va vous aider un petit peu de faire un peu le vide et puis se dire bon ok d'accord, relativiser un peu cette histoire aussi. Et puis on peut faire plein de choses. L'autre jour je lisais un bouquin, je vais vous mettre la référence autour de cette vidéo, donc je vous le conseille, qui s'appelle 21 jours sans se plaindre. 21 jours sans se plaindre, et donc l'auteur, c'est un Américain, Will Bowen, quelque chose comme ça. Elle a écrit il y a quelques années, il y a plus de 10 ans maintenant, et ça a créé tout un mouvement, parce que suite à cela, elle a créé un site internet qui s'appelle Un Monde Sans Plainte. Et donc, beaucoup de gens, son hypothèse, sa thèse, c'est de dire que qu'on se plaint un peu trop, en moyenne, apparemment, on se plaint entre 15 et 30 fois par jour. Donc on va être, mais de toutes sortes, hein, c'est-à-dire quand on dit plainte, c'est pas uniquement physiquement, on va dire « oh j'ai des bouffées, j'en ai marre hein, », mais aussi on va être sarcastique, on va critiquer les gens, on va maudire les gens, on va dire quelques méchancetés derrière. Donc toutes ces choses qui sont pas forcément positives, hein, voire carrément très négatives, donc il faut avoir la conscience de cela. Et puis petit à petit, sa thèse c'est de se débarrasser, donc arriver à ne plus être critique, à ne plus se plaindre, à ne plus râler, mais être dans un état plus de positivité, d'accepter ce qui se passe, de l'accepter même avec allégresse, même avec joie, parce que même dans les pires des choses, on peut trouver quelque chose qui est du bien. Parce que sachez que tout ce qui nous arrive, que ce soit bien ou pas bien, nous arrive pour
une raison quelque part et ça nous permet de grandir. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ça peut durer très très longtemps si je développe encore cette thèse, mais même des malheurs, par exemple comme un divorce qui peut être très très traumatisant, on peut le prendre du bon côté et se dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais avec ma vie, qu'est-ce que, et puis se prendre vraiment en main, et peut-être la vie suivante, la vie où je vais être voilà, une nouvelle femme qui est sortie de cette famille que j'ai finalement hélas pas pu garder, mais peut-être je vais créer autre chose et peut-être moi-même je vais évoluer d'une certaine manière. Donc sa thèse de Will Bowen, c'est de dire effectivement que si on prend conscience de cela, on peut petit à petit râler de moins en moins, jusqu'à arriver à un jour où on va être dans une espèce de positivité presque totale. Et pour faire cela, il propose un principe tout simple. On met un bracelet sur son poignet qui va rappeler, qui va être le symbole de cet engagement avec moi-même, de ne pas râler. Donc sur son bracelet, lui, c'est marqué « Un monde sans plainte » en anglais. A complaint free world. Moi, j'ai créé le même bracelet, je l'attends, il doit arriver parce que je me suis inspirée, je me suis dit effectivement, quand on est à la ménopause, on a quand même cette tendance de pas mal râler. Donc, j'aurai d'ici 10 jours le bracelet sur lequel je demandais qu'on note 21 jours sans se plaindre. Pourquoi 21 jours? Parce que si vous arrivez pendant 21 jours ne pas dire un mot à travers, un mot critique, ne pas se plaindre, ne pas râler, hein, donc ça veut dire que là, vous avez ça, intégré ça en vous vraiment d'une façon permanente. Et en fait, la chose qui est drôle, il dit qu'il faut en moyenne entre 4, 6, 8 mois jusqu'au jour où on va arriver pendant 21 jours de ne pas dire un mot à travers, ne pas râler, ne pas critiquer, ne pas se plaindre. Donc, pour dire que c'est pas simple, c'est dire que je mets le bracelet, je me dis ok, je suis au jour 1, mais si aujourd'hui je me suis plaint ou j'ai critiqué ou j'ai dit ah merde, quel temps fait-il, j'en ai marre, il pleut ou je ne sais pas, voilà, quelque chose dans cet esprit-là, non seulement je le pense mais je le dis verbalement, à ce moment-là je vais changer mon bracelet de mon poignet droit sur mon poignet gauche et je recommence le jour 1. Donc on peut avoir plusieurs fois le jour 1. Jour 1, je ne peux pas passer au jour 2 parce que tout bêtement, ben, j'ai pas dans cette journée, voilà, je ne me suis pas plaint. Mais finalement, hop, il y a un jour où je ne me suis pas plaint. J'arrive au jour 2, ok, je passe au jour 3 et subitement au jour 3, j'ai dit une critique. Rebelote, je vais repasser au jour 1. Donc pour vous dire que l'exercice va être quand même assez prenant et engageant et il faut savoir tenir vraiment pour arriver à ces 21 jours. C'est pas simple, c'est que celles, je parle aux femmes, qui sont vraiment accrochées, qui veulent vraiment améliorer leur vie, qui vont arriver peut-être à arriver à ces 21 jours. Ceci dit, voilà, je vous mets le lien de ce bouquin, lisez-le, c'est un petit livre poche, c'est pas mal. Et puis si ça vous dit, vous pouvez aussi commander le bracelet que j'attends qui arrive, je vous mettrai aussi le lien quelque part. Donc ça, c'est une solution pour éventuellement gérer tous ces symptômes multiples. Il y a plus de 40, donc je vous mettrai aussi le lien vers un article du blog Marre de la ménopause où je détaille plus tous ces symptômes. Donc, tout ceci pour vous dire que c'est un peu incontournable. Donc, il y a à peu près 7-8 femmes sur 10 qui vont souffrir de tous ces symptômes, de ces deux grands groupes psychiques, émotionnels et puis purement physiques. Il va falloir faire face, tout simplement. On peut utiliser la méthode de 21 jours sans me plaindre, on peut se renseigner, ça c'est vraiment quelque chose que je n'arrête pas de dire, il faut vraiment bien s'informer. Trouver les solutions qui te conviennent à toi, qui vous conviennent à vous. Si vous n'avez pas des contre-indications parce que concernant la famille ou autre chose, vous pouvez éventuellement prendre le traitement de substitution hormonale ou pas, à voir. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut consulter bien sûr son médecin et puis se renseigner par vous-même sur la multitude des solutions naturelles, dont une grande partie c'est marqué sur le site Marre de la ménopause. Il y a aussi le groupe privé sur Facebook Marre de la ménopause, il y a plus de 700 membres
chambre maintenant et vous pouvez vous consulter avec les autres femmes. C'est toujours instructif voir que les autres femmes éprouvent à peu près les mêmes choses que moi-même. C'est rassurant pour se dire que finalement, c'est très bien. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Je prends la voiture d'ici 15-20 minutes pour retourner à Paris, donc à ma maison. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous embrasse fort et n'oubliez pas, soyez belle, soyez heureuse et soyez vraie. Ciao, ciao de la Drôme.